Bonjour à tous et bienvenue sur rctuto.fr. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'assemblage de notre imprimante Dagoma Disco Easy 200. Donc aujourd'hui nous allons passer à l'assemblage de l'électronique. Donc ça va se passer sur le dessous de la machine. Donc on va la retourner tout de suite. Vous allez avoir besoin aujourd'hui de votre carte principale électronique de la machine. Vous avez besoin ici d'un adaptateur de carte SD. Donc vous voyez ici, il y a de chaque côté 5 broches x2 et ici 5 broches x2. Donc vous venez ici installer convenablement l'adaptateur en veillant à ce que toutes les broches soient bien prises. Voilà, comme ceci. Ensuite, nous allons ici prendre la machine comme cela. Vous voyez, il y a la face avant de la machine, le lecteur de carte SD. La carte va venir comme ceci avec le lecteur USB vers l'axe. Comme ceci, vous voyez, il y a deux vis ici, la carte vient s'installer comme cela. Voilà, donc on va visser ça tout de suite avec deux petites vis 6 mm. Comme ceci, votre carte est installée. Nous allons ensuite assembler la partie haute de la machine. Donc vous avez besoin de vos deux pièces du haut et deux axes courts. Nous allons passer ici nos axes, comme ceci tout simplement, des deux côtés, sur les deux pièces. Et nous allons venir serrer. Vous appuyez sur les deux côtés avant de serrer le deuxième côté pour que le bloc se mette bien à plat, que ça ne bouge pas. Vous veillez à ce que tout soit bien vraiment à l'horizontale et vous pouvez venir resserrer. Voilà, la partie haute est installée. Cette pièce-là sert à rigidifier les deux axes verticaux. Nous avons ensuite besoin de nos deux axes courts, de ces deux pièces-ci et de deux roulements longs, les deux derniers qui restent. Vous passez un roulement sur chaque axe et on va venir insérer nos axes comme ceci ici sur les trous latéraux. Voilà, donc ça vient juste s'insérer, il n'y a pas de serrage à faire. La pièce est assemblée comme ceci. Ensuite, on revient sur la machine. Nous avons besoin ici de notre petite clé, de nos deux coupleurs. Alors vous voyez les coupleurs, il y a deux tailles de trous différents, comme ceci. Ici, ça va sur le moteur. Ici, cette partie-là va maintenir l'axe vertical fileté. Voilà, alors vous prenez votre clé comme ceci, vous la mettez à plat et on vient l'installer ici au bord de l'axe. Nous allons prendre notre coupleur, le petit trou vers le moteur et on va venir l'insérer. Vous posez ici votre coupleur sur la clé à plat et vous venez serrer la vis du bas pour fixer le coupleur. Vous enlevez votre petite clé et on va faire la même chose de l'autre côté. Vos deux coupleurs sont installés. L'étape suivante va être de prendre les quatre grands axes, les deux anti-wobble. Les anti-wobble, ça évite que l'axe prenne du jeu sur le moteur. Donc on va insérer de chaque côté deux axes ici. Et faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, vous prenez la machine côté feeder. Je vous avais dit la dernière fois que c'était l'extrudeur, mais c'est pas l'extrudeur, c'est le moteur du feeder. Le feeder, c'est ce qui alimente l'extrudeur, qui lui fait fondre le plastique. Donc vous prenez le côté de l'extrudeur, vous prenez vos anti-wobble. L'anti-wobble, vous avez une forme, la partie surélevée vers le haut. Cette pièce vient se mettre comme ceci et l'axe au niveau du moteur. Vous faites ça des deux côtés. Les anti-wobble sont installés. Ceci étant fait, vous prenez la machine face avant vers vous. Vous prenez cette pièce-ci
dans ce sens-là, le moteur vers la gauche de la machine, comme ceci, et nous allons venir passer nos quatre axes. Comme ceci, votre moteur est bien sur la gauche de la machine. Voilà, donc on va passer à l'étape suivante. Pour l'étape suivante, vous avez besoin de vos deux tiges filetées, de vos deux ressorts, de vos deux écrous. Nous allons passer un écrou sur chaque tige filetée et le mettre à 1,4 cm du bord. Ensuite, vous passez vos deux ressorts sur vos tiges filetées. Vous descendez votre chariot jusqu'en bas, vous prenez un axe avec une tige filetée, vous devez insérer le ressort et l'écrou dans cette partie-ci et descendre au maximum, voilà, comme ceci. Et vous venez visser votre tige filetée pour que ça vienne se visser dans l'anti-wobble et dans l'insert du moteur. Le chariot doit remonter 2 cm environ. On va ensuite venir visser notre vis du haut ici. Voilà, cette vis maintient votre tige filetée qui sert à faire monter l'axe X. Voilà. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. On peut maintenant venir serrer notre vis. On a fait une petite erreur sur cette pièce-ci. On a installé nos axes ici sur ces fixations-là, alors qu'elles devaient être installées sur ces fixations-là. Ces fixations-là vont servir à venir ici sur les deux axes verticaux. Donc on modifie ça et on revient tout de suite. Voilà, on revient sur la partie haute de la machine. Notre pièce a été modifiée. Vous voyez ici, vous avez cette encoche-là qui doit correspondre avec le bas de la pièce ici. Donc ça vient comme ceci. Les deux axes de chaque côté viennent ici s'insérer là. Voilà, votre top est bien installé. On peut maintenant serrer nos vis des deux côtés, ici et ici. Vous pouvez ensuite serrer vos deux vis de chaque côté. Votre machine est maintenant rigidifiée au niveau des axes verticaux. Étape suivante, ça va être l'installation de l'extrudeur. Donc l'extrudeur, vous voyez ici, c'est cette pièce-ci. Donc là, c'est le bloc extrudeur. Le petit radiateur va vers l'avant. Donc on va venir clipser ici nos deux roulements, ici et ici, bien centrés. Comme ceci, votre extrudeur est installé, donc il coulisse, ça c'est l'axe X, donc l'axe X, l'axe Y et l'axe Z. Nous avons ensuite besoin de notre courroie de 75 cm, nous allons la passer ici et la faire ressortir de l'autre côté. Vous prenez cette courroie, les dents vers le haut, et vous la passez à l'intérieur. Ce morceau qui dépasse, vous le repassez en dessous pour le faire passer de l'autre côté. Et nous allons passer ici dans le roulement qui est ici au-dessus, comme ceci, les dents autour du roulement. Et on va faire la même chose de l'autre côté, on va passer la courroie ici en dessous, comme ceci. Vous passez ici autour du pignon moteur, comme ceci, on vient repasser par au-dessus. On va ici compter 5 dents de la courroie qu'on va insérer dans cette partie-ci à l'intérieur et faire glisser nos 5 dents vers le fond. Donc vous comptez 5 dents que vous insérez et que vous faites glisser. Comme ceci. Ensuite nous revenons ici. Vous allez tendre votre courroie au maximum. Et nous allons ici, en maintenant la tension, pousser comme tout à l'heure, comme la dernière fois, pardon, pour le chariot du dessous, pousser dans l'encoche pour que la courroie se maintienne. Donc votre courroie est bien tendue. L'importance des courroies bien tendues, ça va être dans le détail de la qualité d'impression. Si votre courroie est trop détendue, le chariot ne bougera pas suffisamment avec les mouvements du moteur et il y aura des défauts dans votre impression. Donc aujourd'hui, on a fini d'assembler le cadre de la machine. Le plateau est installé, l'extrudeur est installé. La prochaine étape sera les branchements électroniques sur la carte. Voilà, donc merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos, à nous faire un petit like sur notre page Facebook et une petite visite sur notre site www.rctuto.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, @rctuto.fr. C'était un tutoriel qui vous était présenté en collaboration avec Dagoma, Asiatizobi, OO Speed Drive et Team Tetsujin, nos partenaires. Merci et à bientôt.